Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Above Snakes, qui je pense sera le dernier afin de finir de couvrir le prologue. On aura vu un petit peu tout ce que le jeu a à nous offrir, en tout cas dans le début. Alors, on va essayer de récapituler les différents objectifs de cet épisode, donc à savoir passer l'établi niveau 2, donc simplement une cire d'abeille. Et ensuite voir un petit peu au niveau de la cartographie, donc continuer de et de débloquer les nouvelles dalles, les installer de façon ordonnée, et puis continuer un petit peu les quêtes que nous a donné, ont donné les réfugiés sous forme de tuiles uniques. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, je peux créer une dalle. On va essayer d'abord de débloquer, hop, le lac. Tac, c'est parti. Ok. Avec C, je peux la placer. Voilà, ça nous fait vraiment chose de poser. On va aller voir directement. Donc ça va être la nuit. Je pense qu'on va simplement récupérer quelques ressources et aller se coucher parce que on se rappelle que dans le premier épisode, vous avez quand même prévenu que la nuit était compliquée, voire dangereuse, notamment au début du jeu. On va pas faire n'importe quoi et on va récupérer simplement une petite ressource et on va aller se coucher pour passer la nuit. Hop. Un petit peu de bois. On a vu aussi qu'on avait d'autres tuiles. Des tuiles dites de transition. Qui étaient sur deux biomes pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Il faudrait qu'on regarde peut-être d'un peu plus près quand même. Parce que c'est vrai que j'ai pas tout compris parce qu'on les avait. Certaines on les avait déjà. Donc peut-être que c'est pour une transition dans l'autre sens. Il y a la transition afin d'arriver à une nouvelle tuile et transition pour enlever cette tuile. On va allumer un feu quand même à côté de chez nous. Voilà. Au niveau de la cuisine, on dit qu'on pouvait faire quoi? Si je fais un check. Écoutez, on va tenter. Hein. De toute façon, on est là pour découvrir et essayer. Voilà. Je vais juste aller chercher les petites ressources et se reposer. Avec la nuit. Ah dans son bras. Hop. Donc se reposer. Voilà. Donc on va aller voir peut-être en direction du lac. On a de quoi débloquer une nouvelle. Ah, je vois qu'on a faim. On va tout de suite manger. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'on fasse des choses un petit peu plus élaborées parce que la fin n'est pas remontée beaucoup. Ça s'est accéléré hein, depuis qu'on a débloqué certaines tuiles et qu'on a avancé un petit peu dans le jeu. J'ai l'impression que la perte, en tout cas la faim et la soif, augmentent un petit peu plus vite. On va récupérer un petit peu ce qu'il faut. Au niveau de la nourriture, comme ça on va être tranquille. Hop. Il sert à de cuisiner. Hein. Là on voit qu'il y a aussi un minerai. Je sais pas si je peux le récolter dès maintenant. Trop faible. Ok, au moins ça c'est dit. On va boire un coup. Tac. Là on voit que ça remonte bien. Là c'est pareil, on peut pêcher. Une canne à pêche. Hop, je récupère l'eau. Voilà. Par contre, je peux pas accéder à la suite de la tuile. Hein. Je pense qu'il faudrait que je mette autre chose ici. Je sais pas comment ça fonctionne réellement. On va récupérer un petit peu de pierre. Hop. On va essayer de passer à côté des arbres, voir s'il n'y a pas d'abeilles. J'ai cru en entendre, c'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Ce serait bien, on pourrait débloquer directement l'établi niveau 2. Je vois pas pour le moment, je n'entends pas non plus. J'ai de récupérer de quoi faire à manger.
On fait ça et puis... Ah là-bas, je vois les abeilles. Au nord. Hop. Allez, c'est parti, on récupère la hache. Désolé. On récupère aussi les champignons. Tac, on devrait avoir ce qu'il faut. Enfin, il y en a encore une ici de toute façon. Ah oui, là aussi. Ah, je crois que le biome forêt est quand même plus enclin à avoir des abeilles. Donc on va pouvoir améliorer l'établi numéro 2 et je pense que dans le même temps on va poser les provisions perdues. Ça permettra de voir directement où on en est. Alors, voilà. Je peux améliorer l'établi, c'est parti. Comment ça se passe? Ok, ça. Voilà, j'ai accès au niveau 2. On peut faire table en bois. C'est décoratif, décoratif. Tannerie qui sert à produire du cuir. Ah, ça, c'est intéressant. On va le débloquer. Arche. Ok. Table d'archerie. Ah, non disponible pour le prologue. Ok. Tapis en fourrure, la commode. Un coffre de stockage. Il nous faut des composants. Ah, pas. Ok. Bon, par contre, on va poser ça tout de suite ici. Hop. On peut faire du tissu avec du coton. Ok. Pas de coton, il me semble. Hein. Ok. Regardons au niveau de la table. On va la poser. Comme ça. Ah, je ne peux pas. Ah oui, il est bien petit. Je suis trompé. Pourquoi on peut pas? Ah, parce qu'on dirait que c'est un biome particulier. Donc. Faut que je regarde dans la table de cartographie. Ça c'est quoi? Pleine forêt, pleine prairie. Écoutez, on va les débloquer, ça coûte rien. Hop. Et celle-ci aussi, plus rien non plus. Ainsi. Hop, et tu fais ça. On peut dire ça. Voilà. Et là. Est-ce que je peux poser celle-ci ici? Oui, voilà. Bon, j'ai laissé des trous au milieu, je sais pas du tout si c'était pertinent ou pas. Et on verra par la suite. Ça reste un prologue, on découvre. Comme je le disais. Quand ça avoir faim? Peut-être essayer quand même vite de cuisiner. Hop! Tac. On va cuisiner, écoutez, on va faire ça. Hop, on va essayer avec 3. Voilà, ça a l'air de rendre plutôt pas mal. Hop. Voilà, on s'enlève. D'accord. Va pas donner tant de ça. F. Voilà, là on est pas mal. Allez, on va dire pour la route. Là on est bien. On est prêt. J'avais dit qu'on retournerait peut-être les voir aussi. Là, on voit qu'on a une transition encore. C'est plutôt bien fait, hein. C'est très joli. Hein. Direction artistique et plante vanille. D'accord. Plante sauvage. Et plante coton. Voilà. Là, j'ai récupéré. Genre. Un zombie. Ah, ah oui, d'accord. Provisions sont. Ah, bah oui. Si vous vous souvenez, lors de notre discussion avec. PNJ qui nous ont récupéré les provisions, ils avaient quelque chose par rapport aux leurs qui étaient. Ok. C'est qui? H. Ah. Et ça c'est fait. Tac, tac, tac. Et ça aussi, ça augmente les dalles de faire ça? Hop là. Cliquez. Ah! Ok, c'est bon. On peut récupérer. Oh, c'est horrible.
J'arrête la provision. Ce sont les provisions que les survivants ont perdues. Je devrais retourner auprès d'eux. D'accord. Par contre, est-ce qu'on peut... Ah voilà. Je peux ouvrir juste ce qu'il fallait. Et du silex. Tout ça pour ça. On va récupérer. Attention à la fatigue. Je crois que c'est buggé, hein, parce que ma barre, elle a pas l'air de s'éteindre. Ok, il me manque des clés communes. On va récupérer du coton. Pain de vanille, je pense que ça va être pour la nourriture. Ah, là, je pense que c'est moins rigolo. J'ai vraiment abusé. Se dépêche. Trois, vous êtes trois, vous faites. D'accord. Tu devons. Ok. Salut les gars. On va attendre le lendemain. Tout pas pressé, hein. Attendre depuis un moment. Voilà. Peut-être qu'à la fin, on ira voir quand même à quoi correspond la nuit, sur quoi on peut tomber. Bon, après, clairement, vous avez vu hein, toute carchérie et l'évolution des armes, c'est pas dit dans le prologue. Hop! Eh bien, le bonjour! Dieu merci, cela devrait suffire à nous garder à flot pendant encore 2 mois au moins. J'espère que nous... Ok, nous étions propriétaires du comptoir d'échange là-bas. Je ne peux imaginer dans quel état il est maintenant. Ok. Ah, belle quête. Ok. Encore un service, bien sûr. Pourquoi pas? Ah, du tissu en trop. D'accord. Et optionnel, fabriquer une tellerie, donc ça c'est fait. Rassembler du coton et fabriquer du tissu. Ok. Et je crois. Hop. D'ailleurs, on va aller récupérer directement l'eau. Hein. Apparemment, on en a besoin assez régulièrement, donc je pense qu'il faut anticiper, sachant qu'il faut attendre que ça repop un peu. Ah, je dois attendre pour prendre l'eau du lac. Ah, là je peux. Et est-ce que j'ai accès là? Oui. Très bien. On va récupérer un petit peu de myrtille. On a vu que les plats étaient pas trop mal. Après, peut-être avec de la vanille, je vais pouvoir cuisiner autre chose. On va essayer de fabriquer du tissu. Hop, tannerie. Ah, j'ai que 2 cotons. Corde. Allez, ça c'est fait. Nouveau plan, canne à pêche. Pêche améliorée. Eh ben super ça. Je peux le fabriquer moi-même. Comment ça se passe? Voilà. Pêche améliorée, j'aimerais bien une ramure. Ah ouais, mais faut que je tue le cerf, ça. Et on peut faire ça déjà. Ah, une ramure. Une ramure, je pense qu'il faut tuer le cerf et j'ai pas accès à la table d'archerie, donc c'est un peu compliqué. Écoutez, on va essayer. Bon, je me disperse un peu, hein, mais comme à chaque fois dans ce genre de jeu, on débloque quelque chose. Oui, j'aimerais pêcher. Est-ce qu'on peut organiser la barre un petit peu de... Ça commence à éteindre. Voilà. Ah, j'ai rien à faire. Je dois attendre. Ok, on peut faire des pièges. Ah, peut-être pour récupérer justement les cerfs. À voir, à voir. Là, au niveau des dalles. Tac, rien de nouveau. Rien de nouveau. J'ai cherché du coton, on a dit. Donc ça y est, là, ça commence à faire un petit peu de déplacement. Donc je pense que si on arrive à avoir un monde assez grand, il faudra plusieurs bases, plusieurs abris. Sais pas comment les joueurs ont prévu d'avancer les joueurs. Est-ce que je peux commencer à piller?
Echo. Ah, d'accord. Par contre, ça tape dans le mental. Attends, écoutez. Pour rien, nous, hein? Bande sauvage, coton. Ça, c'est bien. Du chanvre. On peut pas hésiter. Bande coton. Ah, c'est la clé commune, là. Peut-être que je peux en acheter une. Au PNJ. D'ailleurs, j'ai pas. Au niveau du commerce, je pense qu'on va en faire un peu plus. J'étais allé un petit peu vite la dernière fois. La vanille. Faire du tissu. Ok, c'est. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire plusieurs dalles. Hein. Là, on est sur une dalle à chaque fois, à peu près, mais. Hein. Est-ce qu'elle vend la clé? C'est elle la marchande, non? Ok. Ah, mais tu veux un arc court, toi? D'accord. Ah, et les composants. Ah, les flèches. 15 flèches. Acheté? Apparemment, c'est gratuit. Ok, bon. Du bois pour un. Il me reste 5 pièces. Champ. Je reviens. J'avais pas tout fait la dernière fois. Voilà. Fer à cheval. Clé commune. Parfait. Allez. En fait, Ok, fais voir ce que tu as. Et là, si je te. Ah, d'accord. Ah, oui, si, il y a des choses que je peux te vendre. Un. La vanille pour un. Équipement. J'ai pris 5 flèches. Ok, construction, j'ai rien. Et divers. Ok. Ok. Et là, je vais te prendre l'arc. Super. Alors, on va reprendre. Ok, donc là, j'ai quand même vendu des choses. Allez, on se retrouve. Il y a eu une petite coupure à la vidéo. Le jeu a crash en fait. Donc, je sais pas où on en était exactement, mais là, en faisant du commerce avec eux, en récupérant quelques fers à cheval de leur côté, j'ai pu récupérer assez d'argent pour pouvoir prendre un arc. Et on m'a proposé une autre quête par rapport à la mère de ces personnes avec qui ils ont été séparés. Et j'ai accepté la quête et en fait on m'a proposé de m'inscrire, enfin d'ajouter le jeu à la liste des souhaits parce qu'on arrivait à la fin du prologue. Donc voilà tout simplement. Après comme vous pouvez le voir, j'ai quand même récupéré un arc. Tac. On peut faire des raccourcis, on voit que j'ai 5 flèches. Donc je vais venir vous remontrer un petit peu. Là j'ai regardé dans les caisses, alors c'est pas très éthique hein, ce qu'on récupère ce qu'il y a dans les caisses autour d'eux pour leur revendre. Mais écoutez, je vais faire aussi un petit peu comme ça. Pas trop chercher. Donc voilà, j'ai pu lui acheter un arc parce que je lui ai vendu dans l'hiver, j'avais des. Un fer à cheval qui m'a permis de lui acheter l'arc. Voilà. Par contre, apparemment, voilà. Ça va être pour tester le jeu, je peux récupérer autant de flèches que je veux. Et quand on vient ici. D'ailleurs, attendez, on va manger. Voilà. On va bientôt s'arrêter. Est-ce que je peux. Si je fais attribuer. Ah, ok, c'est ça. Je fais attribuer. Tac. Arc est là avec 17. Ouais, si, écoutez, quand même, avant de se quitter. D'aller récupérer un cerf, on va voir ce que ça donne. Hein, on est là pour essayer, comme on le disait. Hop, voilà, là il y a un cerf. Ah, non. Ouh, d'accord. Ouh, d'accord. Ah, ça rigole pas. Hein.
Ok. Tac, viande crue. Oh, ramure ou pas? Allez, ramure. Ça va nous permettre d'aller voir un petit peu le côté charbon. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que donc il y a le côté survie sur ce jeu, avec le craft de différents outils et d'un abri. Le côté exploration, avec le côté original des différents biomes qu'il faut agencer correctement afin de découvrir. Un petit côté quand même quête. Je sais pas s'ils ont prévu plus, mais je pense que oui, hein, de toute façon, sachant que les tuiles semblent uniques par rapport aux quêtes, donc je pense qu'ils vont continuer. Ah non, en fait, j'ai juste besoin de venir là, on avait dit, hein, c'est ça, hein. Équipement, pioche, hache. Comment j'avais fait? Fait main, pioche améliorée, deux cires d'abeille. Ah, bien sûr. Pas les cires d'abeille. Ici, on peut débloquer la prairie aux 4 silex. Peut-être aller chercher quand même les cires d'abeille, hein, ça sera fait. Hop. Bah, je vais faire une petite ellipse entre les deux, comme ça vous verrez directement la pioche améliorée. Allez, on se retrouve. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour pioche améliorée. On va directement, hop, la construire. On va essayer pioche améliorée. Hop, voilà. Dans deux, c'est parti. Je pense que là aussi, du matin, faut pas hésiter à faire quelques réserves d'eau et récupérer de quoi manger aussi. Je pense que c'est important. Alors, on va voir. Allez, là, c'est bon. Est-ce que c'est du fer ou du charbon? Ah, minerai d'étain, d'accord. Ça me débloque rien de particulier. Bon, bah écoutez, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi qu'il y a moyen encore de s'amuser un petit peu sur ce prologue, hein, pour ceux qui voudraient pousser un petit peu plus l'expérience. En tout cas, le jeu me semble plutôt encourageant. Il y a vraiment différentes thématiques. La courbe de progression a l'air d'être plutôt sympa. Hein, on voit qu'à la fin, sur les différentes choses, il y a quand même bonne marge de progression. À voir si tout cela fonctionne sur le long terme. À voir combien de temps cela peut nous occuper aussi. Donc ça, on ne le saura qu'à la sortie du jeu. Donc moi, en attendant, je vais vous remercier d'avoir regardé cette deuxième et dernière vidéo sur Above Snake. Et je vais encore une fois, hein, vous demander de lâcher un like ou pas d'ailleurs, hein, ou de laisser un commentaire ou autre pour donner un petit peu de force à cette belle chaîne. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!